Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la plateforme la plus importante si tu veux commencer à vendre tes instrumentales en tant que beatmaker. Ok, donc avant de commencer la vidéo, je tiens d'abord à me présenter. Moi, c'est Paul Favor. Si tu me découvres aujourd'hui, qui je suis réellement? Il y a déjà plusieurs années, j'ai commencé à faire de la musique. Et aujourd'hui, résultat, j'ai vendu plein d'instrumentales, plein de packs son, ainsi que plein de formations vidéo sur plusieurs styles de musique à plusieurs personnes au travers de ce monde. Tout simplement parce que j'ai mis en place des systèmes et des stratégies qui sont en train de fonctionner depuis plusieurs jours et qui vont fonctionner encore d'ici les mois à venir. Voilà, donc l'objectif de cette vidéo, c'est de te faire comprendre quelle est la plateforme idéale si tu veux réussir à vendre ton instrumental en tant que beatmaker. Ok, donc il faut savoir que la meilleure des plateformes aujourd'hui et demain qui va te permettre de pouvoir facilement vendre tes instrumentales ainsi que tous tes différents produits que tu vas créer autour de ton beatmaking n'est rien d'autre que ton site web. Quand je dis ça, il y a plein de personnes qui ne comprennent pas. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les plateformes bien connues, je ne vais pas citer les noms ici, ce sont des plateformes qui sont uniquement là pour essayer de se faire du gain au travers les différentes commissions qu'ils vont gagner grâce à tes produits que tu as passé tes jours et tes nuits à créer. Donc il faut comprendre réellement que les différentes plateformes, première chose, ne vont pas t'amener du trafic. Ça ne veut dire que si je mets mon instrumental sur la meilleure des plateformes la plus connue, qui est beaucoup plus mise en avant sur le marché où plein de beatmakers vendent des instrumentales, si moi pour le favor aujourd'hui je décide de mettre une instrumentale là-bas, ça ne veut pas forcément dire que l'instrumentale va être vendue. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il va falloir que j'attire des personnes vers ma boutique sur cette plateforme. Donc ça, c'est le premier inconvénient qui m'empêche de pouvoir mettre des placements d'instru sur les différentes plateformes les plus connues. Ça, c'est un élément vraiment majeur. Le fait qu'ils ne fassent pas ta promotion, c'est à toi de faire ta promotion pour amener du monde vers eux. Et ensuite, deuxième chose, c'est que la plateforme va te bouffer des commissions et pire encore, tu vas devoir payer pour avoir une bonne visibilité et un bon référencement pour pouvoir profiter de leurs différentes offres et services. Voilà, donc tu vois qu'il y a deux éléments capitaux qui m'empêchent moi de placer mes différents instruments sur ces différentes plateformes de vente d'instrumental. Donc maintenant, quelles sont les solutions? Qu'est-ce que moi je te propose aujourd'hui d'essayer pour pouvoir facilement vendre tes instrumentales? La première des choses que tu as à faire, c'est te dire, ok, à qui est-ce que je vais vendre mes instrumentales? Dès lors que tu trouves l'audience, c'est-à-dire les catégories de personnes, les catégories d'artistes qui conviennent bien avec ton style de musique, il va te falloir maintenant essayer d'attirer ces différents artistes. Quand je parle des artistes, je ne parle pas forcément des artistes très connus, je parle des artistes débutants parce que moi je préfère vendre mon instrumental à un artiste débutant que d'essayer de vendre à un artiste connu. Tout simplement parce que les artistes connus, certaines personnes ne le savent pas, n'achètent pratiquement jamais les instrumentales. Parce qu'ils vont se dire, ok, moi j'ai une visibilité, si je pose ton instru, automatiquement toi aussi tu auras la visibilité et c'est comme ça qu'il fait pour ne pas t'acheter ton instru. Moi je préfère bosser avec les débutants ou on va dire les artistes qui n'ont pas encore vraiment émergé. Ok, donc la première des choses, c'est d'attirer ces artistes vers toi au travers du contenu gratuit via des publications sur les différents réseaux sociaux. Et ensuite, la deuxième des choses à faire, c'est de créer un système de vente ou on va dire un site web de façon simple. Voilà, donc si tu ne veux pas te retrouver en train de payer des forfaits annuels sur les différentes plateformes les plus connues, je te conseille aujourd'hui de créer ton site web pour pouvoir avoir facilement ta plateforme sur laquelle tu vas attirer de l'audience et plus tard vendre tes instrumentales à cette audience que tu auras attirée. C'est le chemin le plus facile et le plus efficace qui fonctionne aujourd'hui et qui va fonctionner encore demain. Tout simplement parce que je te prends un exemple. Si aujourd'hui j'ai une instrumentale que je viens de faire par exemple qui va bien avec un style de musique trap et que j'ai envie de vendre cet instrumental à un artiste débutant et que le prix varie entre 200 et 300 euros, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Il me suffit tout simplement, dès lors que je finis la prod et que je me suis rassuré que la prod est assez commerciale, c'est une prod qui ressemble vraiment aux artistes qui sont en train d'émerger en ce moment. Maintenant, il me suffit tout simplement de sortir des extraits vidéo de cette prod et de la placer sur les différents réseaux sociaux et créer du contenu qui va attirer les artistes débutants. Et c'est comme ça, une fois qu'ils seront attirés, je vais par la suite les vendre les différents produits sur mon site web. Donc c'est le chemin le plus simple et que je conseille à pratiquement tout le monde aujourd'hui. Voilà, donc si on arrive à la fin de cette vidéo, c'était Paul Favor. Si tu veux en savoir plus sur les stratégies et techniques que moi j'ai mis en place qui me permet de pouvoir vendre des instrus en 200 et 300 euros au quotidien, une série de 3 vidéos gratuites qui vont t'expliquer encore dans les détails comment mettre en place un système de vente abusif
actif automatique qui va te permettre de pouvoir attirer des personnes, c'est-à-dire des artistes, et par la suite les vendre des instrumentales sur une plateforme donnée. Donc, et en bonus, si tu n'as pas de site web, je t'offre aussi gratuitement une série de vidéos qui va t'apprendre comment créer un site web partant de rien. Voilà, donc sur ce, clique juste sur l'icône qui apparaît ici ou dans le lien dans la description pour télécharger cette série de 3 vidéos. C'était Paul Favor, ciao. Hold on. Beat.